avec les deux jeunes filles traditionnellement font le duo Giada Balan et Serena Bianchi. L'Italie qui a atteint le niveau international depuis 1991. L'Italie qui n'a jamais été médaillée au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques et qui commence encore avec une position très très acrobatique comme tout à l'heure. Les deux jeunes filles nous ont fait voir leur duo. Très très bien négocié là. Thank you.
serait plutôt pas mal du tout pour les Italiennes, avec de très très beaux portées, notamment des portées très très hauts. Donc des jolies corolles aussi. Beaucoup, beaucoup de souplesse sur ces portées. Par ces Italiennes qui s'étaient classées 6e des Jeux Olympiques, 3e au championnat d'Europe l'année dernière, c'est fort logique. 6e des championnats du monde cette année. Ce même ballet qui a participé la semaine dernière au Goodwill Games à New York. Il a pris la 7e place. L'entrée à l'eau particulièrement réussie, aussitôt enchaînée avec emportée. Tout le monde prépare ce porté. Alors vous aurez peut-être aussi aperçu une petite image sous-marine où on a vu une des ballerines qui avait l'air de chercher quelque chose dans son maillot. Peut-être cherchait-elle son pince-nez. Le pince-nez, cet instrument assez inesthétique, il faut bien le dire, qui empêche l'eau de pénétrer dans la cavité nasale et qui permet de rester sous l'eau plus longtemps. Eh bien, sachez que les ballerines en ont un deuxième qui est glissé dans le maillot de bain pour justement au cas où le premier viendrait à se perdre. Oh oui, elle passe devant les Françaises, 97.067 avec des notes de 9.8 en artistique. Les Italiennes donc qui passent devant les Françaises, ça n'a pas dû arriver souvent. Et elles le savent, elles sont très très heureuses. Alors bien sûr, le plus dur reste à faire, hein, puisque maintenant il va falloir regarder les Russes.